venting out your frustration. Just say a word. Keep on staring at the pavement. God knows who hurt. Salut à tous. Aujourd'hui, pas le temps de regarder le paysage. On fait le test de la GoPro Hero 7 Black. Alors, pas test intégral, mais test juste de la stabilisation. D'accord ? Hyper smooth. Qui permet aussi de faire les hyperlapses, d'accord, les time wrap. Donc on teste la stabilisation, le time wrap et aussi l'audio, d'accord. Donc je vais faire différentes activités aujourd'hui, toutes filmées avec la GoPro 7 et prise de son direct sur la caméra. Comme ça vous pourrez juger de ses qualités audio et de stabilisation. C'est parti. Ah, forcément pour le test, je ne stabiliserai pas les images au logiciel et j'utilise soit juste ce petit grip étanche là qui flotte, pas étanche mais qui flotte, soit différents accessoires pour la monter sur le vélo ou autre activité. Et donc après, je vous montre les images brutes, non restabilisées, avec l'audio de la GoPro. Pour finir, bah, je fais aucun effort sur la course au niveau de la marche du ninja un peu genou plié qu'on doit avoir pour une image bien stabilisée. Cours normalement et on verra comment marche la stabilisation. Keep on acting now like strangers, scream out loud. I will go. Et là on va essayer un petit time lapse. Voilà, alors on est parti de là-bas tout en bas, la pointe Croisette, presqu'île du Palm Beach. On est monté ici, alors vous avez vu comment ça marche au niveau de la stabilisation quand je cours sans faire aucun effort pour stabiliser. Et vous avez vu comment ça marche au niveau du time wrap, donc l'hyperlapse, et aussi ben, le son quand je parle. Donc voilà pour ce début de vidéo, mais c'est pas fini, on enchaîne, dure journée. Et me revoilà. Et là, on est dans la forêt de la Valmasque. Valmasque, c'est un peu au nord, nord-est de Cannes, sur les communes de Mougins, Valoris, Valbonne, tout ça. Une belle petite forêt avec pas mal de petites collines. Très bien pour le VTT et pour la course à pied. Et là, c'est la grosse tuile. Je suis parti un peu en catastrophe. Et j'ai, pour tester la GoPro, cette pince que j'utilise très souvent, qui est très pratique, que je mets dans la sangle de mon sac à dos, la sangle que j'accroche ici, là vous savez, sur le devant. Et je comptais m'en servir pour tester la GoPro maintenant. Donc de bol, j'ai oublié mon sac à dos chez moi. Du coup, je vais accrocher la pince ici, là sur mon t-shirt, mettre la GoPro dessus. Ça va un peu rajouter de tremblement, mais bon, on verra bien comment ça rend. Voilà, allez, on y va, c'est parti. Alors pour qu'il y ait un meilleur angle de vue, j'ai mis la pince là dans mon short. Je pense que l'angle de vue est mieux pour vous. J'y retourne.
Bon voilà, alors je pense que maintenant vous avez une bonne idée de la stabilisation de la GoPro 7 Black, d'accord. J'ai jeté un petit coup d'œil aux vidéos du footing et du VTT. Franchement, je suis hyper content, c'est vraiment énorme. Notamment pour le time wrap. Moi, pour faire des choses équivalentes, bah, il me faut le stabilisateur Feiyu A1000 V2 qui est assez lourd et encombrant. Alors, pas autant qu'un Ronin S, hein. Mais bon, c'est pas la même chose. Il faut vraiment un gros matériel. Là, on a dans un tout petit truc comme ça, moyen de faire des hyperlapses hyper sympa. L'audio, un petit peu déçu parce que, comme vous avez vu, des fois, il y a quelques petites secondes où il y a un petit bruit encore, un petit peu comme si on parle dans un tube, dans un tuyau. Au bout de 3 secondes, ça s'en va. Alors, c'est souvent dès qu'on change de position ou qu'on change de milieu quand il y a du vent et d'un coup il n'y a plus ou l'inverse, bah, il faut laisser quelques secondes à la GoPro pour s'adapter à ces nouvelles conditions. Et donc, c'est un coup à prendre. Là, pour le test aujourd'hui, j'avais la petite caisse autour de la GoPro qui la protège, qui altère aussi un petit peu le son. Voilà, au niveau des accessoires que j'utilisais, il y a le grip qui flotte, dont je vous ai parlé tout à l'heure pour le footing, qui est très pratique parce que bon, il flotte, donc dès qu'on fait une activité aquatique, c'est top. Et il y a la pince aussi que je vous ai montré, et aussi des accroches qui se mettent sur des cylindres, sur des tubes, bâtons de ski, baguettes de paddle, peu importe. Alors en description de la vidéo, en dessous, je vous mets les liens de tous ces accessoires pour ceux que ça intéresse. On a fait le tour pour ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, un pouce bleu. N'hésitez pas à commenter en dessous pour donner votre avis sur ce que vous avez vu et entendu. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et si là, bougez-vous purée, bougez-vous.